Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale, donc pour vous remettre un peu dans le contexte. En début d'année, on a fait le The Event, donc c'est un event caritatif où une cinquantaine de streamers, dont je fais partie, avons levé 5,7 millions d'euros, si je dis pas de conneries, c'est quand même pas mal pour des petits gamers. Et du coup, ce qu'on fait en général en tant que streamer, c'est qu'on fait des donation goals pour motiver les viewers à donner un peu d'argent, etc. Bah par exemple, dans les miens, il y avait Insanity, j'en parlerai je pense un peu à la fin de vidéo, vous comprendrez pourquoi. Mais il y en avait aussi un qui était de se faire coacher par Pierre Gasly en personne au karting. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, parce qu'en plus, il y a Gotaga Chiffres qui arrive, donc c'est une course. Il y a eu des qualifieurs pendant tout le dernier mois. Justement, c'est des cracks de Formula One virtuellement. Et du coup, je commenterai tout ça. Ce sera en direct du Castellet, genre vraiment sur le circuit du Castellet. Enfin bref, ce sera en live lundi si, pour ceux qui regardent la vidéo assez tôt. Donc je me suis dit pourquoi pas faire d'une pierre deux coups et pourquoi pas même faire d'une pierre trois coups. Je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout parce que bah oui, forcément, il y a mon copain Lucas Auchard, aka Squeezie, qui dit qu'il me bat aux cartes. Moi, je disais l'inverse. Et on essayait de s'affronter aux cartes depuis très très longtemps. Forcément, il y a eu le Covid. Il y a eu plein de choses qui ont fait qu'on n'a pas pu. Et là, je me suis dit bah pourquoi pas. Du coup, il a gentiment accepté de m'accompagner pour aller toute une journée justement à Milan à la rencontre de Pierre Gasly et ses amis, parce que du coup il y avait ses amis qui étaient là-bas vu qu'ils venaient de faire une bonne perf à Monaco, c'était genre deux jours après, un truc comme ça, donc forcément ils ont fêté ça, tout ça, il reste humain avant tout. Du coup bah il va nous présenter un peu son setup, on ira justement faire du karting ensemble, je vais pas vous spoiler les résultats, mais très impressionnant, il nous a coaché, il nous a montré tous les trucs, etc. Je vais vous laisser vivre cette journée à nos côtés, je vais vous souhaiter tout simplement une bonne vidéo. Et après je te pine. Bra papa. Ça va mieux? Ça va? Ouais. Comme je suis en total nu blanche. Ah ouais. T'as dormi toi? Ah attends, t'es bien. Ouais, j'étais à 5h. Non, c'est que. C'est là, que... ça va, on est en mode une journée. C'est méga fatigué. Tu fais comment tu sais? C'est trop jeune. Trop relou de faire ça comme mieux. T'as envie juste de faire des claques. Je kifferais que Gasly ça devienne un méga champion. Air France et ses partenaires stage, vous souhaitez un intérêt de période. Ouais, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, c'est le jour où tu m'as. Ou pour la première fois depuis très longtemps. Je te déglingue sur un truc. Genre, c'est pas genre je te bats, c'est je te déglingue. Ah, tu penses que vraiment tu m'exploses? Tu penses que je suis nul? J'explose de malade. Je suis sûr. Il est fort ce bâtard, Mais je suis fort aussi. Je fais le mec, je me permets de faire le mec parce qu'écoutez-moi bien, j'attends ce moment depuis si longtemps. Et de toute façon, s'il me bat, ça sortira jamais. Voilà, c'est aussi simple que ça, deux ans. Non, en vrai, blague à part, je pense que je suis ok au cas. Je suis vraiment. Blague okay. À part, je pense que c'est en logique je gagne, puisque j'en ai plus fait. Et si je gagne pas, mon ego est définitivement détruit. Ça veut dire que sur absolument tout ce qu'on aura fait dans notre vie, il m'aura niqué. Non, pas TFT Rocket. Allez, Gotha. C'est vraiment question de mal de match. Pas de match, Gotha. C'est génial. Let's go. Oh. Si j'ai gagné, Si j'ai gagné. Il y avait des saves en jeu, tu m'en as offert 250. C'était pas mal. Ah putain, j'ai pris cher en plus. Ah, je me souviens pas ça. Vas-y, coupe, c'est bon. Ouais. Gasly out ahead of Hamilton. How am I still behind him, man? Come on. Mais non, du coup là, à partir de demain ça sera bien. Demain c'est calme. Non, je m'entraîne et tout, mais c'est juste que comme je suis rentré à Milan, j'avais... T'inquiète, pas, on va pas... Kiffe, hein. La vie, faut kiffer aussi, hein. Mon truc de gaming.
Oh les gars, c'est incroyable. Ouais. Oh les gars, tu es où? Tu vois, il a eu un match. C'est déjà un mauvais début, le monde. Ouais, pareil. Tu vois, c'est pas un retour de force. Ça revivale pas. Moi, t'as l'idée ou pas? Est-ce que le virtuel peut améliorer ton niveau réel? Genre, tenter, en fait, pas dans le sens où, tu tentes un truc virtuellement et du coup, c'est pas du tout le même ressenti que la voiture, mais genre le ressenti le même, mais du coup, virtuellement, tu prends plus de risques qu'en vrai. Ah, bah pour ça, c'est sûr. Bah là, à Monaco, quand t'arrives à Monaco, la première séance, tu prends grave de marre. Simulateur, je dirais que je vais arriver, je vais être à 101%. Et en gros, sur une piste normale, comment tu sais où est-ce qu'elle est la limite? Moi, c'est ma manière. Il y a plusieurs approches. Moi, ma manière, c'est je vais au-dessus de la limite, je vais plus loin, donc je vais à 101% de ce que la voiture elle peut faire. Une fois que je l'ai passé, je reviens un petit peu et je m'ajuste comme ça. Plutôt que d'aller de plus en plus vite et d'essayer de pousser 97, ok, 98, 99% jusqu'à d'arriver à 100, je préfère aller tout de suite un poil, freiner un poil trop tard, me dire ok, j'ai raté un peu la corde de 1 mètre, il faut que je freine un poil plutôt que à Monaco, c'est l'inverse. Les gars, ouais. Je vous propose un Monaco avec aucune aide. Tu forces avec Monaco, frère. Mais non, pas Monaco. Monaco, tu peux pas faire ça. Tu freines 1 mètre trop tard, tu vas un peu trop loin, t'es dans le mur, c'est fini, t'as fait un tour. Donc Monaco, tu commences à 90%, chaque tour t'en mets un peu plus. Okay. Et un peu plus, et un peu plus. Et... Parce que je suis un fan de Monaco, il veut tout le temps. Ah, non, mais. Po. Bah, t'es bien. Ouais, non, mais ça va. Ah, non, ouais, je cherchais bien. Bah, attends, mais ça va. Ah, les écrans, attention. Les écrans, ça c'est. C'est limite. Ouais, gota, gota. Peut mieux faire. Ça c'est limite. Ah non, mais juste un bras, ça coûte 50 balles. Ouais, ah, par contre, t'as un bon micro. Ça là. Oh, je l'avais celle-là aussi. Mais ça, c'est Polo, ça. Je l'avais. Ah, ah, je reconnais la marque Polo là sur le. C'est le Polo XLR. Ouais, ça, tout le monde là, elle est top. Ça c'est bien. Non mais ça va, il y a juste le bureau là. Non mais le bureau, ça. Non, mais même le bras, tu vois, pour prendre les écrans. Eh, on veut juste avoir un truc à dire. Non, mais ça tue, on est là. Ouais. Le bras. Non, mais devient des vieux coups. Mais vraiment top niveau simu. Ouais, ça c'est en niveau simu, c'est ce qu'il y a. Pourquoi t'as un son d'arrêt d'urgence? Ça c'est rouge, là. Bah parce qu'ils m'ont dit que vous veniez, du coup je me suis dit au cas où ça part. Ça c'est fidèle à ton, pas du tout, à ton volant de. Non mais c'est ce qui se fait, c'est en termes de, c'est pas exactement pareil, mais tu peux changer tellement de trucs, ça se rapproche de ce que nous on a, tu vois. C'est plus comme ça quand tu roules, je peux changer la balance de frein, je peux changer le mix de fuel, je peux changer. Mais en termes de position, t'es pas pareil que dans la F1. Là t'es plus en position assise que, enfin. Non, franchement t'es pas trop loin. Là, on sent qu'il y a une estime de nous et il y aura un avant, un après. C'est-à-dire qu'on va passer là-dessus. On a joué ensemble la code. Tu vois, il y a une estime de moi, tu es ok. Tu vois. Là, hey, là on commence sans les ailes. Il y aura un avant, un après. C'est-à-dire là, celui qui s'assoit, il y a un après. Non, parce que lui, il est venu dans mon game, il était bon. Il y en a qui parlent du style Moski et tout, c'est pas mal. En route, il a pris très très cher. À terre encore. Là, je peux pas faire la prouesse qu'il avait sur code. Sur. C'est bon, c'est plus. J'ai pas joué depuis longtemps, t'as dû jouer tous les jours au loco. Je joue pas tous les jours, je joue tous les jours au loco. Il joue tous les jours au loco. Il a fait un setup de dingue chez lui. T'es bon, ah ouais, t'es vraiment dedans, ça. T'es bon ou pas? Ouais, je suis bon, je pense. Ouais, c'est mec, ton frein, il est. Bah, par contre, t'allais plus soft que. Je remonte quoi. T'es mal. Faut monter sur moi. Je remonte. Quel bail. Après la belle trajectoire. T'as vu, je suis bien à court, moi, je suis un bon pantin. Après. Mec, t'es devant Pierre. T'es devant Pierre, continue. Accélère. Ne laisse pas t'aspirer. Il est archi bien. Mais wesh. Ah, c'est là que t'as perdu. Tu perds pas beaucoup. Il est vite.
Mais wesh, ouais, je perds beaucoup quand même. Ouais, je perds beaucoup là. Ah, ouais, pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. De dixième. Oh là là, Lucas Ocha, le futur troisième pilote. Bon, je pense qu'on va pas les manger, on va rester jouer. Ah, wesh. Je suis gagné les paramètres. Non. Après là, du coup, ce que t'as en plus, c'est l'anti-patinage du coup. Même pas. Non, le. Non, non, il y a que le freinage. Comment tu vas avoir le seul pire? Comment t'es? Mais carré! Non! Oh non! Non. Ah ouais, c'est pas comme moi, toi, ça fait. Attends, le DRS. Ouais, mais toi, ton volant, il rigole zéro. Ah ouais, lui. Dès que t'entends le bruit. Vas-y, à toi, parce que t'as les. Non, mais non, c'est bon, je peux pas passer après ça. T'es obligé là. Et confiance, t'es bon en plus. Ouais, le truc de force, il est incroyable. Attends. Ouais, t'as vu? Aïe, 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 c'est un mauvais début. Allez. C'est pas grave, c'est pas grave. Fais gaffe la sortie, progressif. Troisième. C'est good. Oui. Allez. C'est dans la boîte. Une 27. C'est dans la boîte. Ça doit un souvenir pour les gars. Ah ouais. Je peux te dire, je vais finir dernier. Gros, hey, franchement, 20 kilos sur cette ligne droite à chaque fois, c'est pendant 4 tours. Genre à chaque fois, je fais, est-ce que je fais encore une street ou pas? Et genre, mais non, il m'a fait un truc illégal. Il t'a éclaté. Et il est arrivé fond, il m'a foncé dedans. Mais j'ai fait que parce que c'était lui, c'était quelqu'un. Pour se servir d'appui, j'étais là genre, coco. Non mais en plus, c'est pas quelle indignité. En fait, le problème, c'est que si je le fais normalement, je perds du temps. Alors que là, si je le fais en mode initial D, on essaie d'avoir un coaching VIP. Celui était derrière moi à la fin, du coup il m'a dit les erreurs que je fais. Je suis tout le long, on arrive à ce virage là, c'est tout. Après je te vois te retourner et prendre 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Pas tant que ça, non, parce que je t'ai suivi pendant un moment. En fait, t'étais vraiment collé. Tu sentais pas que là je te dépassais. En fait, je voyais, j'étais à fond, tu sais, des fois j'étais même comme ça et je voyais les mecs qui nous espaçaient un petit peu. Ah, ça se sent vraiment. Parce que mon départ est meilleur. Ouais, mais Gassi, il m'a mis 3 tours. Moi. À la fin, il était derrière moi, limite je le gênais. Bah oui, je le gênais. Ah ouais, il me gênait, j'avais envie de m'excuser quoi. Je sais pas comment tu fais pour, avec aussi peu de virages, pouvoir prendre autant de temps partout quoi. Je sais qu'on est nul, mais quand même pas. Église jamais, église zéro fois en fait. Ah, tu m'as battu, Coco, tu m'as battu. Non, si, tu mets une seconde, meilleur temps. Seconde par tour. Non, non, mais ah oui, ah ça c'est la moyenne. Giro, c'est tour, comme le Giro d'Italie. C'est quoi le haut? Ah, regarde, le best il est là. Pas. T'as fait un meilleur best temps que moi, mec. Ah non, c'est les kilomètres. Ah non, le temps il est là. Eh, c'est serré. Je te mets 6 dixièmes, c'est rien, mec. 20 kilos. Oh, 20 Sam, kilos. Il me met
Maxime met 20 kilos sur cette ligne droite. Je te jure, ça joue. Attends. Ça donne quoi? 6 dixièmes de différence. Je te jure que cette ligne droite, je l'ai senti quand j'étais derrière lui. Non, mais toi, c'est sûr, tu perds. Les deux en ligne droite, ça va très vite. Lui, c'est le pire. Mais lui, il fait 50 kilos. Non, je pense que moi, je fais 60. Non, non, mais en termes, moi, j'ai roulé derrière les deux. Lui, j'ai vu, il mettait banane un peu en ligne droite. Lui, il mettait. Je suis pas parano. Tu pèses combien toi? Lucas, excuse-toi s'il te plaît. Non, mais il a un quand moi je lui dis, il me croit pas, il me croit, je suis mauvaise foi. Quand toi tu lui dis, ah oui, c'est vrai. Non, je suis totalement d'accord, Pierre. Oui, non, tu vas faire un mandat, t'as complètement tort. A l'époque, sur quel tu aurais dû mettre un autre viseur ton carte. Là, c'est à fond, vers la gauche. Là, tu touches, là, tu touches, là, enculé, il va street zer, premier tour, on je part tous les deux. J'ai fait spin au premier tour. Et ça m'a tellement fait rire que je me suis fait spin. Tellement j'ai envie de l'insulter. Si j'étais une vraie game, j'aurais fait start quitter. Je l'aurais supprimé de ma liste d'amis, bloqué. Franchement, mec, quand je. Mais le karma s'en est chargé après. Je sais pas si tu l'as, mais il a spin tout seul là-bas, ce boulot. Tout seul. Ah, j'ai pas eu je ça. Rigolais tellement que j'ai spin tout seul là-bas, les gars. Ah, c'était trop drôle. Quand je dis que c'était un des plus gros fous rires de mon année, c'est je pense la GoPro t'entend pour rire corbeau là. J'étais mort, et là-bas je pleurais de rire. Et je réalise sur le virage, je suis merde, je me prends le pied. Et là je te vois passer tout fier. Ouais, je te regardais et j'étais en mode, attends, mais on fait une vraie course. J'ai fait, franchement pour l'instant il est meilleur. Je prends l'avance et on se voit plus tard. Mais là je crois que j'ai mieux tourné que tout à l'heure. Là. Ah oui, c'est Gotha qui est à 32-408. Ah, ouais. Je t'ai battu en meilleur. Ah là, je crois que c'est mieux, j'ai bloqué là. Non, il m'a bloqué. Je te jure, il m'a bloqué tout le long. Oh, je te fais spin. Et après, je te pine! Bra papa! Attends! Bra papa! Attends, Sam! S'il te plaît! Ça va, monsieur Pierre, il y a un bail là-bas! Les 4 dixièmes au poids, ils y sont, c'est sûr! 20 kilos, frère! On en parle, le confinement! Vous, carte mieux. Vous croyez que je vois pas vos mots doux, l'équipe Red Bull? Les mots doux, donne-lui le carte qui est bien! Vous croyez que je vois pas? Hein? Avant de monter dans les cartes, Gotha, toi, t'as le 18! Ça se joue clairement! 3-4 dixièmes, 20 kilos et ça se joue clairement. Moi, tout ce que je vois, c'est des temps, des mathématiques. Et sur ces mathématiques, un temps à 4 dixièmes de moins que l'autre, c'est le mien. Après, si vous croyez pas aux maths, bah arrêtez l'ordi, arrêtez les jeux vidéo, arrêtez tout. Mettez du poids, mettez des poids. Faut mettre des poids. Je suis insupportable. Bon, les gars, j'ai perdu. Je suis abattu. Et en vrai, il a été meilleur. À la fin, ça s'est joué à 2 dixièmes. Pierre me l'a dit pour me réconforter, mais ceux qui s'y connaissent vraiment, s'il vous plaît, rassurez-moi. Sinon, je serai abattu. Est-ce que effectivement, quand t'as 20-25 kilos en trop, par rapport à une autre personne, surtout quand il y a des lignes droites, ça joue ou pas? Est-ce que ces 2 dixièmes, ça aurait changé quelque chose ou pas? Est-ce que je suis un mauvais joueur? Est-ce que je suis de mauvaise foi? Ou est-ce qu'effectivement, avec des kilos en moins, après avoir fait une sanity, ouais, on le fera, parce que c'était aussi un donation goal du event et je sais qu'il y a pas mal de viewers qui sont chauds pour le faire avec moi déjà sur Twitch. Je pense qu'après je prendrai ma revanche. Est-ce que ça joue ou pas? Franchement, je serais abattu si vous me dites que non. Et s'il vous plaît, rassurez-moi, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, c'était une expérience incroyable, on est resté un soir de plus. Ils nous ont proposé d'ailleurs un grand merci à Pierre et ses amis pour l'accueil. C'était incroyable, on a vécu, je parle au nom de Lucas aussi je pense, mais on a vécu une expérience humaine incroyable. Et là en plus on va continuer de vivre ça, parce que là le week-end du coup au moment où cette vidéo sort, on sera au Castellet en direct pour le Grand Prix. Et en plus après le lendemain je fais justement mon event où il y aura plein de petits simulateurs sur le circuit du Castellet, vraiment sur le circuit du Castellet, en train de s'affronter, je commenterai tout ça, ça va être trop cool. Donc voilà, en tout cas
tout cas, moi j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En plus, nous on a eu plein d'intel que je pourrais pas vous donner. On a un dossier top secret, mais on a promis c'est encore mieux que Netflix. Mais voilà, on garde. Et puis bah voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo en tout cas. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine sur Twitch, tout simplement. Des bisous les gens.